que contiennent ces leçons importantes? Premièrement, la voix des prédécesseurs et ceux qui les ont suivis concernant la lecture du Coran, son apprentissage, sa méditation et sa mise en pratique. Deuxièmement, l'explication de l'islam, la foi, la bienfaisance, l'unicité et les catégories du polythéisme. Troisièmement, l'explication de la prière. Quatrièmement, l'explication des ablutions. Cinquièmement, s'orner des bons caractères et des politesses. Sixièmement, la mise en garde contre le polythéisme et toutes sortes de désobéissances. Septièmement, la préparation du défunt, la prière funéraire et l'enterrement.